Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents outils d'administration que vous pouvez avoir depuis l'interface publique. Donc, pour cette démo, je vais utiliser le site de la médiathèque de l'UDEAC. Donc, je vais me connecter avec un compte administrateur portail. Voilà. Donc, vous pouvez noter qu'il y a maintenant en haut à gauche de votre écran un petit bouton administration. Quand vous cliquez dessus, vous avez un menu avec plusieurs entrées qui apparaît. Dans ces entrées, donc, elles sont déjà filtrées en fonction de votre rôle. Donc si vous êtes uniquement rédacteur, vous allez avoir des entrées de menu en moins, etc. Donc vous retrouvez un lien pour accéder à votre compte côté administration, un lien pour accéder à l'accueil, des raccourcis pour aller aux articles et aux domaines. Et ensuite, vous avez des liens ici qui vous permettent d'activer des outils. Donc, par exemple, afficher les icônes d'administration, ça vous permet de voir tous les liens vous permettant de configurer l'interface. Donc, par exemple, si je veux modifier ici mes horaires, je peux y accéder comme ça et modifier les articles en disant aujourd'hui ça sera plutôt 19h30. Je valide. Et voilà, j'ai bien mon article qui a été modifié. Donc à savoir que j'ai activé l'affichage des icônes d'administration et en fait ça enregistre, ça mémorise que je veux les afficher. Donc si je veux être tranquille après, que je veux juste naviguer sur le site, je peux désactiver. Et je ne les verrai plus si je recharge une page. Autre fonctionnalité, vous avez par exemple l'éditeur CSS qui vous permet d'afficher un éditeur dans la page. Et vous pouvez noter des fichiers, des règles CSS, par exemple body, hop, background, deux points, red. Voilà. Si je sauvegarde, bien sûr, ça sauvegarde sur le serveur et c'est pris en compte. Voilà pour cette démonstration. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bokeh.